Bonjour à tous, c'est parti pour l'épisode 3 de la saison 11 de The Walking Dead. Après un épisode 2 que j'avais trouvé excellent, avec cette fin d'épisode qu'on a eu, j'ai beaucoup de hype et beaucoup d'attente. Et vous le savez, quand on en attend trop, on est forcément déçu avec The Walking Dead. Mais bon, c'est mon plaisir coupable, donc je suis chaud bouillant. On se balance ça. Let's go. Oh, Walt Dead, il a ramassé. What? Oh! Ah non, mais le roux de Maggie a été fumé en 30 secondes là. J'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit, que le groupe de Maggie s'est fait rafaler. Qu'est-ce qu'elle est belle, Magna, putain. MDR, une ambiance, t'as peur carrément. Regardez Aaron, c'est devenu un acteur tellement secondaire maintenant. Do you ever worry about your mom when she goes away? Stuff in the olden times, right? They can't promise it now, but they say it anyways. Ouais, c'est des gamins qui sont vraiment en avance. Hein. My mom always comes back. Ah bah il dort pas celui-là? Ouais, mais elle s'est vraiment retrouvée toute seule, la pauvre là. Ah mais ils ont que des couteaux de lancer eux quoi. Les malines. Putain, mais Cole est mort, Duncan aussi, ils sont vraiment débarrassés de tout le monde presque. Hein. Oh. Les mecs sont immortels ou quoi? Il appelle le Seigneur alors qu'il croit presque plus en Dieu. Il y a un jeu de lumière assez sympathique, je trouve. Alden. Ouais. What? Ah bah y'a Negan, qu'est-ce qu'il fait? Oh le Maggie Negan. Par pitié, dites-moi qu'ils ont fumé Alden. Good, huh? I know theatrics. Those people, they just told us exactly how it... C'est tellement particulier. Rosita. Qui cueille des champignons, très bien. Putain, John Dory serait content de voir ça. Oh. Yeah, he's trying to tell me he gets shot in the head. Ah. That's dark. I have a horse. Ça, c'est bien des moments comme ça entre deux anciens personnages, putain. Regardez-le, celui-là. Le pauvre Negan, il a pas de plan, il marche à l'aveugle, j'aime pas ça. Oh putain, Caris. Putain, j'attendais l'album. Merde. I'm so sorry. For a little while. Oh, c'est presque un petit peu touchant. Allez, je vous l'accorde. Eh, mais les chevaux, ils ramassent tellement dans l'univers de Walking Dead. Non. Non, ils ont tué Pimpronel, putain. Keep looking for the rest. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ah ouais, Léa passion cheval. C'est sympathique de voir ce petit groupe. Putain, mais ça fait vraiment film d'horreur de ouf. Hein.
I'm not. We have been blessed. You tried to kill my friends. I thought you were a man of God. Ah, mais c'est plus compliqué que ça. Hein. Putain, il est tellement contradictoire. You were gone for a long time. Things change, people change. Oh Maggie, tu déconnes. Mais vous vous rendez compte qu'on a Alden alors qu'on pourrait avoir Aaron? Franchement, je comprends pas. Avancer peut-être. C'est la meuf qui va se faire mordre, c'est sûr. Voilà. Putain de merde. Oh, elle est de retour en héros. Hey Carol. Can we talk? Yeah, sure. As if she's not. Well, you're Connie's family. I would think you'd want to know either way. Stop. Ouais, c'est compréhensible, mais bon. Si on enlève l'espoir, il n'y a plus rien, quoi. Elle va le tuer, ouais. Ils ont pas le choix, les pauvres. Hein. Franchement, Aaron, il sert plus à rien maintenant. C'est une tristesse. Just take really small bites. Ouais, il a du vécu ce petit, hein. Tu veux caresser le poney avant qu'on le bouffe? Carole qui lave ses mains pleines de sang, c'est... J'aime beaucoup l'ambiance et la photo, hein. Une petite chapelle, une petite église. Oh non, oh, j'espère qu'on va pas l'abandonner, hein. Je l'aime beaucoup trop. Lies. The only thing that matters now. Alexandra needs us. And Adam needs a father. J'arrive même pas à le désister pour vous dire. Alors c'est pas si simple, ça dépend avec qui en fait, avec toi. Hein. Mais attends, mais t'as été sans pitié avec Gabe, c'est n'importe quoi. Your fault that we're here. Yeah. Il va mourir du coup. You better be here when we get back. You better come back. Et vous voyez, c'est top de les voir marcher tous les deux. Il y a vraiment des bonnes idées, il y a des choses, mais. Ok, bon. Un petit épisode de transition. Ok. Oui. C'est pas mal. C'est pas les choses un peu du côté de Maggie surtout, mais ok. Ok, on se voit demain. 17h pour la petite critique de l'épisode 3. Portez-vous bien. Des bisous. Puis c'est tout.